Pendant plus de 30 ans, ils ont tout partagé. À la scène comme à la ville, Pierre Palmade et Muriel étaient inséparables. Jusqu'à ce vendredi 10 février, quand tout a basculé. Ce jour-là, le comédien a causé un violent accident de voiture alors qu'il conduisait sous l'emprise de cocaïne, blessant grièvement trois personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé. Si elle s'est d'abord précipitée à son chevet, la femme d'Anne Le Néna a ensuite été bouleversée d'apprendre les circonstances du drame. Comme le révèle Paris Match ce jeudi 9 mars, Muriel Robin, en plus d'être totalement écœurée et désemparée, se serait surtout sentie coupable des actes de son acolyte de toujours, au point d'en pleurer. À l'hôpital, le week-end qui a suivi l'accident, l'actrice serait effectivement tombée sur la famille que son amie a brisée, au détour des couloirs. Elle aurait alors fondu en larmes dans leurs bras, partageant leur peine, écrivent nos confrères. Quant à Pierre Palmade, Muriel Robin se serait violemment disputée avec lui et lui aurait adressé une lettre incendiaire, avant de prendre ses distances. Elle le verrait désormais comme un assassin, a confié l'un de ses proches, à Paris Match, et lui en voudrait à vie d'avoir brisé la vie d'une famille. Photo, Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie depuis plusieurs semaines, la comédienne est murée dans le silence. Si elle a fait une rare apparition ce lundi 6 mars à l'occasion de l'avant-première du film La Chambre des Merveilles, à Paris, l'actrice s'est éloignée de la sphère publique et médiatique ces dernières semaines. Rongée par la déception et la culpabilité, elle ne semble pas prête à pardonner à Pierre Palmade. Elle disait pourtant de lui à Paris Match, en 2016, qu'il était l'homme de sa vie. J'ai développé un instinct maternel avec lui. Il a été mon fils et il aurait pu me faire ce qu'il voulait, j'aurais toujours été là, confiait-elle. Mais il faut croire que cet accident a été le drame de trop pour Muriel Robin, qui a vraisemblablement préféré couper les ponts. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Patrick Bernard Best Images.